Bon, et tant que tu crèves, salope, t'es un danger trop important pour la galaxie. Tu veux sortir une réplique? J'aurais bien dit. Hasta la vista, baby. Faites la paix avec la galaxie. Les Rachnies sont une race éteinte. Non, laissez parler votre raison plutôt que Désolé. vos sentiments. Même si vous êtes en désaccord avec la morale des Asari, comprenez qu'elle pourrait devenir une alliée. Non. Notre Trop. espèce est-elle si effrayante? Vous nous réduisez au silence parce que vous ne pouvez pas étouffer nos chants, parce que nous ne sommes pas vos griffes obéissantes. Désolé, Lyra. Je sais très bien que c'est une menace trop grande pour la galaxie. Cette fois, tu vas crever pour de bon. Nous ne partirons pas dans le grand silence. Ah, voilà, c'est ça, continue, comme ça tu m'intéresses. Non, non, dégage. Le revers de la main droite. Tiens-lui dans la tête, tiens-lui dans la tête. Putain, je sais pas, on peut filmer. Y'en a un gros qui. Non. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh, c'est de l'acide! Allez partir! Oh, quel mort! Ah, c'est horrible! Oh non, putain, il y a le gaz! Je croyais que c'est. Non, non! Gaz! C'est pas de l'acide, c'est du gaz! Gaz! Ici. Oh putain! Oh putain, non! C'est. Oh non, c'est dégueu! Tu m'étonnes! Bon bah. Bon bah, tant pis, j'ai envie de te dire. Tu sais très bien que c'était une menace courante. Sûr que c'est con et bon. Ah ouais, mais. C'est con et bon. Je peux. Ouh, le fusil à pompe. Là, par contre, je peux pas m'empêcher. Je peux pas m'en. Je peux pas m'empêcher de penser aux juifs qui ont été gazifiés à cause de cette connerie. Ouais, putain. Le journal. Ça a peut-être rien, ça a peut-être rien à voir les gens, hein, mais je sais pas, faire mourir quelqu'un ou quelque chose avec du gaz, mais c'est tellement inhumain, barbare, c'est. En plus, c'est une mort lente. T'as bien vu, c'était quelques secondes, certes, mais t'as vu le temps qu'elle a mis à crever. Damn. Faut que je fasse quoi? Vous êtes occupé de votre hier, je reste encore l'infection dans les laboratoires fortifiés. Ils sont où? C'est ça, les laboratoires fortifiés. J'aurais préféré lui mettre une balle dans la tête. Enfin, une tête. C'est pas tellement une tête, mais bon. Je crois que Lyra va m'en vouloir. Ouais. Non, je pense pas. J'espère pas. En tout cas, j'en connais un qui va être content. Rex. Une graine. Ouais. Merde, j'ai perdu la sauvegarde. Oui, je sais pas, J'avais vrai que ça dans la tête, mais j'ai dit fou. Je sais pas. Je jure pas. Non, c'est bon, il a l'air amical. Merde. Vous venez sécuriser le complexe? Vous tenez le coup? Écoutez-moi bien. Vous avez libéré les Rachnies volontairement.
J'obéis aux ordres, c'est tout. Non mais il est con. Twinelix a trouvé un œuf sur un vaisseau très ancien qui dérivait depuis des millénaires. C'était un vaisseau Rakni. À l'intérieur, ils ont trouvé de nombreux œufs en suspension cryogénique. Le mec, il a libéré des Rakni. Alors qu'il sait très bien que c'est une espèce dangereuse, même si c'est un ordre, tu fais pas ça. Je veux dire, faut pas être con dans la vie. À l'intérieur, ils ont trouvé de nombreux œufs en suspension cryogénique. Je l'aurais écrasé. Ouais, voilà. Pourquoi ne pas l'avoir détruit? Pourquoi le faire éclore? Twinelix voulait cloner les Rakni. Qui est cloné? Ça ne m'est pas vieux. Créer une armée. Et à leur arrivée, ils ont compris que l'œuf n'était pas celui d'un vulgaire Rakni. C'était un œuf de reine. Ah, c'était l'œuf de celle qu'on vient de tuer. Après la ponte, ils ont envoyé la reine à la faille, en pensant que sans elle, les bébés Rakni seraient plus obéissants. Bon, bah j'en connais une qui est le cadeau. Après la ponte, ils ont envoyé la reine à la faille, en pensant que sans elle, les bébés Rakni seraient plus obéissants. Ah, merde. Ils obéissaient pas à ses ordres. Merde. Oups. Bon bah... ce sont des choses qui arrivent. Quel mal. Attendez, comment la reine a pu être fécondée sans mal? Les reines, Rakni, naissent avec le code génétique de leur père. Ah oui. Ensuite, les œufs sont emportés loin pour fonder une autre colonie. Les reines peuvent pondre en quelques heures et avoir une nouvelle colonie en quelques jours. Wow. Leur croissance est très rapide. Par contre, je sais que t'écoutes pas, mais il parle d'une manière bizarre. Il parle genre, les reines peuvent pondre, tu vois, comme s'il avait envie de germer. Ne me dis pas qu'ils ont pondu des œufs dans son cerveau. Là. Je prépare la gâchette. C'est pas mal, les racnés de leur mère n'a servi à rien. C'était la pire des choses à faire. Eh ben, espèce sans de boulet. Leur reine, les racnés ne se développent pas correctement. C'est son esprit qui les éduque. Sans elle, sont incontrôlables. Oups. Non bah y a plus qu'à faire un génocide. Alors je fais quoi? Vous n'allez quand même pas me dire qu'il ne faut pas tuer les Rakni. Non, au contraire. Ces Rakni sont trop dangereux. Bon bah. C'est triste, mais ils doivent mourir. Oh, t'as dit pour la reine. Vous pourriez activer la bombe neutronique. Fonctionne comment cette bombe? C'est une explosion de neutrons irradiants. C'est pas ce white boy à l'intérieur de la station et il faut s'attendre à des dégâts génétiques sur les formes de vie à proximité. Et oui, on a dit passe-moi le pouton et pas passe-moi le téton. Oui, parce qu'avec les paroles des personnages, ça peut se confondre. Puis c'est très ensemble. Qu'est-ce que je dois faire? Les commandes pour armer la bombe sont à côté. Vous insérez la clé. Et ensuite, je donne le code à Mira. Oh. Mmh. Oh, le pauvre. Oh. Oh, quelle mort horrible. Il est... il s'est fait empaler sur place. On peut dire que son... son... que... tiens, une Rakni, pour que tu la voyes comme il faut. Comment dire? Bon, il y a quelques petits bugs de texture, mais bon. Comme la patte qui s'enfonce dans le sol, mais bon. C'est moche. On dirait un cafard mutant, en tout cas. Si t'as quelque chose à dire sur ce pauvre homme. Je sais pas comment ça va être perçu ce que je vais dire, mais on peut dire qu'il avait une... on peut dire que ses mots l'ont pénétré. Yeah.
Alors déjà qu'on vient de gazifier la reine, et en plus le mec il se fait empaler. Et en plus tu le vois bien regarder le moment où il se fait empaler. En cours. J'ai accès à tous les systèmes du complexe que désirez. Appuyez sur la boîte d'horloge. Active la bombe neutronique. Désolé, comment je peux accéder à votre requête sans le code d'autorisation adéquat. J'ai envie de faire une harmonie juste pour le lol. T'en dis quoi? Attends. Mira, désolé, je ne peux pas accéder à votre requête sans le code de... d'autorisation adéquat. Juste pour le lol. Vas-y, fais-lui péter un plomb à cette machine. Sic semper. Veuillez vous rendre au poste de sécurité pour arrestation et interrogatoire. Active la bombe neutronique. Je peux pas lui faire une erreur 404. Je ne peux accéder à votre requête sans le code d'autorisation adéquate. Autorisation 875 020 079. Pour une fois que c'est pas la date de licence ou un code couleur. Confirmé. Exécution du code Omega dans 120 secondes. Bon bah. 120 secondes, cours. Come on! Cours, cherche pas. Non, je le sens pas si je fonce. Mais c'est normal, les gens, si je parle pas beaucoup, parce que là je suis en train de regarder des images sur mon iPhone de Bob. Oh, come on! Complètement. 36! Allez, Garus, fais quelque chose. Bon. Fais quelque chose. Juste un paper calibre quelque chose. Je sais pas. Calibre tout sauf les couilles. Mais regarde-moi tous les plans sur le radar. Ça c'est pas tout ça en deux minutes. Ah, merde, je suis soufflé. Cours, ouais. Là en fait, y'a pas. C'est bon. En fait, là c'est un. C'est bon. Ça va péter. Tu cours. Je cherche pas. Ça pète bien au niveau du son. Dommage que t'écoutes pas. Bon, j'ai besoin d'un petit soin, moi. C'est fait. Ah, j'ai pas fait exprès en plus. Putain, on a encore plus de conciliation. Avoir que d'être gentil avec le commando. Voilà. Noveria, morte d'une matriarche. Vous avez vaincu la matriarche et éliminé les arachnides dans les laboratoires fortifiés. Reprenez le téléphérique par lequel vous êtes arrivé pour quitter la station de la faille. Ok. Je le sens pas. Je sais pas, je sens qu'il y a encore un piège. Je sais pas, je sens l'arachnide qui arrive dans le train. Que le mec comme ça. Je peux pas. Si j'étais tôt, je sortirais mon flingue. Putain. Ah bon, bah laisse tomber ça sur le screamer flingue. Je peux pas bouger en plus. Je peux pas impossible bouger. De sortir ton flingue comme ça. Fondu. Chargement. Prépare pas. Attends. Non, c'est bon. C'est bon. Ouais, quoi que. Bon, bah, c'est fait. Qu'est-ce qu'on fait, commandant? On va au relais mu. Ashley. Bon, non, parce qu'on qu'est-ce ne qu'on sait fait, pas. Commandant que si on va au relais mu. Voilà. Pas si vite. Le relais mu doit connecter des dizaines de systèmes. Si nous ne savons pas exactement où va sa reine, ce sera du temps perdu. Le commandant a raison. Nous ne pouvons pas avancer. Oula. Nous devons en apprendre davantage sur sa reine. Non mais depuis quand c'est vous qui prenez les décisions? Vous voulez devenir commandant à la place du commandant ou quoi? Non mais depuis quand c'est vous qui prenez les décisions? La xénophobe là. Devenir commandant à la place du commandant ou quoi? Mmh.
Ça suffit. Tout le monde est dans la même équipe, Williams. On peut. Juste son point de vue. Désolé, oh, comment ça, Nick? Désolé. Équipage, rampez. Ouais, j'aurais dit. Le rapport est envoyé. Le rapport est envoyé. Vous voulez que je vous mette en relation avec le conseil? Je te parie qu'ils vont, encore gueuler. Parce que ça leur a pas plu. Bah. Ouais. Allez. Juste pour voir. Juste pour me foutre de leur gueule. Passez-les-moi, Joker. J'établis la connexion, commandant. Ouais. Ce rapport est exact, commandant. Vous avez trouvé des rachnies sur Noveria? Trouvé et anéanti. Techniquement, c'est déjà une espèce de génocide, donc on peut pas parler de génocide. Dis. C'était la seule solution, désolé. C'était eux ou moi. Oui, bah Galarian, tu vas pas te mettre contre moi parce que c'est vous qui avez engagé les Krogan pour qu'ils vous débarrassent des Krakni, donc hein. Faites nous gaffe. Votre prochain rapport, commandant. J'ai un Krogan dans mon équipage, donc faites gaffe, il aime bien le foie de Galarian. En plus, c'est moi, je crois qu'il te le dit dans... Non, c'est Grand qui te dit dans le 2 qu'il aimerait bien bouffer du foie gras de Galarian. Non, mais au pire, hein, dans le pire des cas, si un Krogan apprend que c'est les Galariens que c'est les Galariens qui ont inventé la zone of rage, bah, ils le savent. Mm-hmm. Et que tu leur donnes pas un malencontreusement la possibilité de se reproduire. Que tu laisses tomber sans le faire exprès la recette du remède. Tu sais, sans le faire exprès, non, même pire, tu sais, sans le faire exprès, le remède est tombé là où est diffusé le génophage, tu sais. Malencontreusement. Comme ce serait malencontreusement, tu sais. Et du coup, la tour reproduit le remède. Et là. Vous l'avez dans le cul. Et bien profond. Donc il a encore quelque chose à dire, conseiller à 2 francs 50 hein? Non, je pense pas. Conseiller Grenouille, s'il te plaît, n'oublie pas les paroles de Javik. Même les insulter de grenouille, c'est un honneur. Les comparer à des grenouilles, ce serait insulter les grenouilles. Voilà, c'est ce que je dis, moi. Bon, ma petite Lara. Ça doit pas aller fort. Si vous venez me parler de la mort de Benicia, c'est inutile. Elle est seule en cause. Si vous venez me parler de la mort de Benicia, c'est inutile. Elle est seule en cause. Hein? Oui, non, mais je veux bien, mais. C'est quand même ta mère. C'est rien. Ne jouez pas à l'indifférente. C'était votre mère. C'est ta mère quand même. Elle l'était, sans l'être. Je préfère me souvenir de Venezia telle qu'elle était, avant d'être corrompue par le pouvoir de Sovereign. On fait un truc réconfortant. Votre mère vous a transmis ses traits les plus nobles. Sa détermination, son intelligence, sa force. Mais pas ses arguments. Mais je vais bien. Venezia a choisi sa voie, et moi la mienne. Je vous suivrai jusqu'au bout, Shepard. Ok, parlons-nous. J'aime parler avec vous, Lyra, quel que soit le sujet. Vous avez été très compréhensif avec moi, Shepard. Très patient. Je vous en suis très reconnaissante. Je sais qu'il existe d'étranges idées reçues sur mon peuple, notamment celle de la promiscuité à Sari. Promiscuité? Mais ces rumeurs ne sont pas fondées sur des bases solides. Lorsque l'une de mes congénères s'unit à une autre espèce, c'est dans un échange très spirituel et profond. Ok, je cherche pas à comprendre. Promiscuité. Ça me dit quelque chose en plus. Ah, mais t'inquiète pas, je suis déjà sur le wiki. Allez, charge. Proximité qui empêche l'intimité. Familiarité, voisinage.
Un échange spirituel. À vous entendre, c'est quelque chose de mystique. Une véritable union dépasse de loin la fusion ordinaire. Même la fusion de Dragon Ball Z. C'est une connexion qui transcende l'univers matériel. Les deux ne font plus qu'un. Les pensées et les sens fusionnent. Les identités s'inversent. Et accessoirement, si on fait le 2 et le 3, on continue là. La romance, attends. Mais en deuil, c'est même avec les plans des développeurs. Parce que là, excuse, mais tu vas pas me dire que les développeurs, ils veulent pas nous donner une vision. Bonheur de Miranda en nous faisant des plans cul toutes les 3 minutes à chaque fois qu'on lui parle. Ça m'a l'air incroyable. Vous voulez dire que... Oh non, pardonnez-moi, Shepard. Je me suis mal exprimée. J'essayais au contraire de vous expliquer, mais... Mais y'a pas de malheur, t'inquiète. L'union représente plus que l'acte sexuel. C'est l'essence vitale de mon peuple. C'est ainsi que les Asari évoluent en tant que société. C'est pour cela que je n'ai jamais... que nous choisissons nos partenaires... En clair, pour que les Asari évoluent, elles s'unissent avec quelqu'un d'une autre race. Pour que... les points positifs de cette personne soient dans... En fait, elle échantillonne l'ADN de, avec le partenaire sexuel pour en prendre le, pour en prendre le meilleur. C'est, voilà, plus, c'est plus simple à comprendre ce que tu as dit. Rien ne presse, ma petite, rien ne presse. Je mets ça. Bah, Je veux que vous soyez absolument sûr de vous, Lyra. Je n'ai que 106 ans. D'après les critères Asari, je suis à peine adulte. Et je passe la plupart de mon temps plongé dans mes recherches. Je n'y avais jamais vraiment pensé. Pas avant de vous rendre. En tout cas, je tiens à vous, Shepard. Après tout ce qui s'est passé, sa reine, les guettes, les moissonneurs, je ne sais pas si c'est le bon moment. Faut mieux. J'ai peur que si on dit bien sûr que si, ça. Malheureusement, je crois que. Vous avez raison. Mais je crois qu'il va falloir un peu la pousser, je crois. Je sais plus. Je crois que j'avais fait full conciliant pour la romance dans le 1. Enfin, j'avais séduit un peu Ashley aussi en même temps. Sans le vouloir, en plus. J'avais pas fait exprès. Alors. Attends. Ça arrive, ça arrive. Hop. Réponse, Yara. Wiki. Va pas chercher les vidéos, toi. Non. Mais les images. Putain, mais c'est quoi cette queue? Quoi? Tu peux faire un... Tu peux faire du sexe avec Lyra? Hein? Même si t'es une... Je sais pas, ah oui. Vu que... Ils ont pas de... Ils ont pas de sexe. Enfin, ils ont pas de sexe. J'ai pas une image de... d'une romance de Lyra là qui traîne. Non, pas le plan cul de Miranda. Fais chier. Non, je l'ai pas. Non, je l'ai pas acheté. Ah non, je l'ai pas. J'étais sûr de l'avoir. Tant pis. Merde là. Bien sûr que si, j'ai peur qu'elle ait peur en fait.
Mais c'est une galère, il n'y a pas de... Au pire, on met neutre. Mais ça me casse les couilles. Ça me casse la couille. Je pète tout. Je vous emmerde et je rentre à ma maison. Bah écoute, on verra bien. Ouais bah écoute, je vais avancer. Tu veux quoi alors? J'essaye en fait de chercher depuis tout à l'heure en fait. Je suis en mode full recherche. Mass Effect 1. Ah bah, je cherche aussi à tout. C'est difficile car l'équipage ne pouvait s'empêcher de regarder Lyra avec suspicion. La liaison entre les Bénésiens, machin. Elle ignore le machin. Discussion après la mort de Bénédia, attends. Je tiens à vous, je sais pas, il faut que je la trouve. Trouvé. Je vous comprends, apparemment faut mettre. Bien sûr que si, ça va juste retarder d'une discussion, la romance voudra juste aller la revoir à un autre moment, c'est marqué. Ok, bon bah... Faut mettre, je comprends. Ouais. L'heure est grave, Lyra. Peut-être que lorsque... Oui, on a passé du temps, et alors? Je suis contente que vous me compreniez. Vous savez qu'à être plus réactif, et peut-être qu'on fera moins d'awak. Et nous concentrer sur sa reine. J'aurais aimé qu'il n'en soit pas ainsi. Comme pour sa mère. Nous devons tous consentir à des sacrifices. Ah non, oui. Ah non. D'accord, bah laisse-moi. Attends. Je sors, voilà. Au revoir, Shepard. Alors, bonne de petit. Quand vous demandez à quelqu'un de recommencer des vidéos, la politesse voudrait qu'il faudrait continuer à regarder les vidéos pour pas que tel ici présent croit qu'il fait ça juste pour une bande de branquignoles qui ne savent pas ce qu'ils veulent, qui sont à peine conscients, qui font juste des enfantillages. Et encore, je suis encore assez calme parce qu'il y a mes parents qui sont en train de pioncer, parce que sinon je peux vous jurer que j'aurais gueulé. Oh, et si vous avez pas compris, en gros, espèce de bande d'enculé de fiston. En gros, vous mettez dans les commentaires si vous voulez vraiment revoir du Skyrim ou pas. Parce que là, notre petit cocktail, là, il est à deux doigts d'arrêter de faire des vidéos, les gens. Merci, au revoir. Bon, comme ça, vous êtes au courant. Hein? T'as pensé quoi de la nouvelle armure? Elle est... Il y a la poubelle qui est pas loin. Écoute, elle est plus puissante. Et elle me coûtait rien, donc... Ouais, il faut que je vende tout le matos. Merci, pas de problème. N'hésitez pas à revenir. Blablabla. Bla, bla, bla. Il vous faut des provisions. Le matos. On va en vendre le matos. Voilà. Ah, ça gratte. Oh. Ah putain, j'ai une oreille qui...